Oxygène Radio. Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir su prendre l'avantage aussi vite et coup sur coup. Et puis, voilà, donc on a réussi à bien rentrer dans ce match. Après cette coupure, dont on ne savait pas si elle allait nous perturber ou nous faire du bien. Donc non, la première mi-temps était intéressante parce qu'on a eu beaucoup de situations sans en concéder. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis la seconde période, on a bien défendu. On a bien défendu. Bon, évidemment que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Parce qu'on doit être capable de défendre aussi bien qu'on l'a fait. Parce que réellement, on n'a pas concédé d'occasion. Mais on doit être en mesure de, justement, quand on a l'avantage de maîtriser un peu plus le ballon que ce qu'on a fait. Mais bon, voilà, il y a encore. Ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on gagne 2-0, je trouve logiquement, mais avec encore du travail, encore une marge de progression importante, à mon avis. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis, il ne faut pas faire la fine bouche, hein. Il ne faut pas avoir le succès modeste, parce qu'aujourd'hui, les victoires valent cher en Ligue 2. Donc quand on est capable de gagner 2-0 chez soi, on l'a vu encore ce soir, il n'y a personne qui l'a fait. Donc il ne faut pas non plus bouder notre plaisir. Maintenant, on sait très bien que on doit faire mieux encore, mais j'ai bien aimé la première période. Où se situe cette marge de progression que vous évoquiez ? Ben, je viens de le dire, dans la capacité à tenir le ballon quand le score nous est favorable. Parce que là, on doit avoir à la fois la je sais pas si c'est de l'audace, mais en tout cas, prendre les choses en main et justement faire courir l'adversaire qui dans ce domaine-là, doit se découvrir et se faire contrer. Mais à partir du moment où on a rendu trop rapidement le ballon, on n'a pas pu utiliser les espaces qui se sont libérés naturellement. Tu as aussi deux attaquants devant qui confirment qu'ils sont efficaces quand même. Ouais, enfin, pour ouais, le coup, ouais. Il y en a un qui joue sur un côté, mais ouais. T'as deux joueurs qui marquent. C'est, voilà, c'est un plus. Ouais. C'est un plus, et il faut qu'on parle de nos plus, parce que c'est important. Hein. Depuis notre premier match quand même raté à Nîmes, je crois que les joueurs ont vachement bien réagi. Quoi. On est sur 2 nuls et 3 victoires. Moi, j'aurais signé tout de suite pour ça, après le match de Nîmes. Hein. Donc, je crois qu'il faut vraiment voilà, le dire, et puis les féliciter pour ça. Après... Je suis pas surpris de ce qu'on est capable de faire, mais je pense qu'on doit pouvoir faire mieux lorsqu'on met nos scores. Est-ce que tu aurais signé aussi pour monter sur le podium ? Oui, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Après, faut pas bouder notre plaisir, parce que mais on voit que derrière une défaite. Il faut 5 matchs pour revenir, quoi. Ça veut dire que il y a de nombreuses équipes qui sont concernées par ces places-là. Donc tu sais très bien que tu n'as pas beaucoup le droit à l'erreur. Mais ça c'est le plus. Voilà. Mais comme c'est la première fois de la saison, il faut là aussi pas bouder notre plaisir. Parce que l'année dernière, c'était devenu une habitude. Cette année, il a fallu attendre 6 journées pour y être. C'est déjà. Moi, je trouve que c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. On n'est qu'à la 6e journée, mais bon. C'est une place où vous vous sentez bien. On verra ça la semaine prochaine. Non, j'ai senti que les joueurs, ce qui m'a fait plaisir ce soir, c'est qu'ils avaient envie de confirmer ce qui s'est passé à Tours. Je l'ai senti dès le début. Je l'ai senti pendant les 2 semaines de travail. On a vraiment senti que voilà, on avait envie d'enfoncer le clou, de confirmer. Ce qui a été fait rapidement, puis bon, on a quand même eu de nombreuses opportunités en première période quand même, on a marqué 2 buts, mais voilà, si on est exigeant aussi, on a marqué 2, c'est bien, mais on aurait pu aussi en marquer d'autres, parce qu'après, en seconde période, on n'a pas eu ces possibilités-là, ou pas assez, à mon avis. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé pas mal de choses en première mi-temps, il y a eu vraiment des bonnes choses. Ouais. Donc, okay. Confirmer ça aussi, c'est Sofiane Bouffal qui fait 2 passes décisives, bon, bah oui. On en a beaucoup parlé, souvent. Mmh. Ça ne doit pas être un hasard, j'imagine, pour toi. Non, mais là aussi, on veut, et je suis pareil que tout le monde, on est impatient, on est exigeant, on voudrait, compte tenu de son talent, etc.
voilà, on voudrait que tout vienne tout de suite, mais bon, c'est un jeune joueur, il travaille aujourd'hui, il récompense un petit peu, il est récompensé par son travail. Voilà, il récolte ça, il nous en fait profiter, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est simplement le fruit de son travail. Il bosse, il est dans un esprit depuis quelques temps, je l'ai dit, voilà, où il mérite. Donc, ça, je suis pas surpris. T'observes des progrès, ouais. Lesquels ? Bah, déjà, je trouve qu'il est beaucoup plus actif sur le terrain. Hein, c'est-à-dire qu'il galope quand même. Ça, c'est un progrès. Et puis, le deuxième progrès, c'est qu'il a cherché à être efficace sur deux coups. Alors après, il y a encore des choses, parce qu'à côté de ça, il y a eu des choses un peu moins bien, et des zones dans lesquelles encore il doit s'améliorer dans la préparation. Mais je lui ai dit, les deux buts qu'il fait marquer, c'est deux touches. C'est prise de balle centre, prise de balle passe. Voilà, moi je dis qu'un joueur qui est capable de faire en deux touches ce que les autres peuvent faire en cinq, c'est bien, on n'est pas obligé de toucher cinq fois la balle pour que ce soit bien. Et je pense qu'il est en train de... Mais bon voilà, c'est un travail de longue haleine avec lui. Et il est en train de montrer que voilà, il a envie d'y arriver. Puis il a la qualité pour, donc tant mieux. Maintenant, il y a encore aussi, pour lui aussi, il y a encore une marge de progression. Et le Garek, qui est sorti ? Il a mollet. Mollet ? Mollet. Mais là aussi, je ne pas... Quand, je, en fait. Comment ? On n'a pas vu quand. J'ai juste vu un moment que ça allait rentrer. Ouais. Mais, j'ai pas vu là aussi, bon, je pense que... Il n'y a pas de hasard non plus. À un moment donné, on a une certaine... j'ai trouvé, hein, en première mi-temps, il y a quand même des beaux mouvements, il y a eu de la fluidité, il y a eu des intentions. Et bon, après, voilà, chacun son registre. Mais bon, quand tu perds au livre, on le sait. Hein. On sait qu'à un moment donné, sur les premières orientations du jeu, voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas une sortie par précaution. Ah non. Là, on peut déjà considérer que la semaine prochaine, il ne sera pas là. C'est une des explications du coup de je de sais la pas. Timidité en deuxième période. Je sais pas. Après, oui, mais bon, peut-être. Mais non, la seule chose que j'ai bien aimée en seconde période, c'est, je répète, c'est qu'on a bien défendu. Mais c'est pas suffisant parce que si on se contente de ça face à des équipes qui auront certainement un autre potentiel, voilà. Vous aviez demandé à vos joueurs à la mi-temps. À la mi-temps, je leur ai dit que si on défendait bien d'abord, on allait avoir des opportunités pour marquer le troisième. Mais malheureusement, j'ai dû dire la fin de la phrase en anglais ou non, je suis encore pas capable. Mais voilà quoi. En fait, ils ont retenu que ça. Alors finalement, ce que je leur ai dit, il y a la moitié du contrat qui est réussi, c'est-à-dire qu'ils ont bien défendu. Mais je pense qu'il y avait matière à faire mieux avec le ballon, quoi. Voilà. Mais bon, on peut pas non plus. Voilà, nous sommes que le SCO d'Angers, équipe de Ligue 2, qui aspire à faire mieux. Donc on a une belle marge de progression, à mon avis, dans ce domaine-là. Mais c'est pas ce que je vais retenir de la soirée, quand même. C'est bon ? Allez.